So here's the house of Brad Pitt and Angelina Jolie. It's a sort of a castle here. It's a real nice area. So I just came hitchhiking from Italy, and I thought, well, I just passed for a cup of tea, you know, but he wouldn't let me in here. So I'm going to that way, to the north. Good, Miraval. No cup of tea for me. On a pris des enfants. Ça tourne, hein? Oui, mais oui. Ça me dérange pas. Oui, oui. J'ai été le garde du corps de Brad Pitt, Angelina Jolie, pendant 6 mois. Point. Et ça me dérange pas du tout de le dire. Oui. Donc, tu étais dans le château de Miraval. Oui, totalement. Oui. Et donc, il était comment, Brad Pitt? Brad Pitt, super. Elle, beaucoup moins. Oui. Elle n'acceptait pas que Brad Pitt fume un joint de temps en temps. Et t'as bien trinqué avec lui? Ou lui? Trinqué avec lui, peut-être. C'était pas mon ami. On n'a jamais été amis. Mais c'est un mec bien. Et quand tu l'as bu, tu l'as mis au lit? Oui. Ouais. Au moins 3 fois, minimum. So I'm not very far from the castle of Brad Pitt. And this guy, he was the garde-corps. His bodyguard of Brad Pitt for 6 months. 6 mois, no? Yes. Yeah, 6 months. And he said Brad Pitt was really a nice guy. He didn't like very much Angelina. And he had put Brad Pitt like 3 times in his bed because he was so drunk. And he said Brad Pitt was really a simple guy, really nice. And that's why they divorced now, because he was drinking too much. And, you know, she's... Alors c'était elle qui portait le pantalon, quoi. Comme beaucoup de femmes. Ah, comme beaucoup de femmes, ouais. Moi, je pense que les femmes, elles portent la pantalon, tu sais pourquoi? Parce qu'elles prennent des pilules avec des hormones féminins, comme l'œstrogène, le gestagène, et ça leur rend ben oui. Agressif. C'est pareil qu'un homme qui prend de testostérone, il va faire des seins. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que beaucoup de femmes accepteraient que son homme rentre sous tous les soirs? La mienne l'a accepté, oui. Alors la tienne est une déesse, pas une femme. Ok. Moi j'ai adoré, c'est Bruce Willis, quoi. Et comment il s'appelle qui était à Cotignac, qui lui ont prêté une maison aussi à un moment donné. Mel Gibson. Super sympa. Très chrétien, très tout ce que tu veux. Mais Mel Gibson et Bruce Willis, c'est les deux personnes que j'ai vues les plus simples qui puissent exister. Mmh. Comme toi, comme moi. Tu vas discuter. Ouais, ouais, ouais. Tu es un garde du corps. Ils en ont rien à foutre des gardes du corps. Il vient te voir, il te salue, il se présente. Ouais, ça va les gars, machin. Et c'est, moi, ce qui me plaît, c'est ce côté humain. Qui n'a pas du tout, nous sommes ou très humains. Peu, nous sommes chez humains. George Clooney. George Clooney, non. So you just said George Clooney, he was very different, but the Bruce Willis, he was a really nice guy, really friendly, and also De Niro aussi est sympa. Mel Gibson, very nice guy. De Niro, il m'a vu, il me fait... De Niro, on nice. Était assis, et ça c'était à Cotignac, hein. J'étais assis à Cotignac, et De Niro, il était installé en train de boire son café, il me fait... Du style, tu m'as pas vu, tu m'as pas reconnu. Il me regarde, il fait chut. Excellent. Parce qu'il voulait boire. So this is the inside of the castle of Brad Pitt. This is his the main le salon. Brad Pitt's castle just around the corner here. It's called Miraval. Alors, pour dire simplement, à Mogadiscio en 92, il y a un Black Hawks américain qui se crache. Qui se pose en état d'urgence dans Mogadiscio. Tu as le pilote et le copilote qui essayent de s'enfuir. Tu as à peu près 3000 personnes qui interviennent. Ils leur volent leurs chaussures, ils les découpent en morceaux. Et nous, armée française, on est là. Hein, tu dis, moi, là, j'étais sergent à l'époque. Je dis, mon capitaine, on fait quoi? Il me dit, tu veux finir comme eux? Non, on n'y va pas. Oh, oui, non. Non. En revanche, tu entends des mecs, des êtres humains qui te disent
aidez-moi, help me, help me, help me. Et ce help me, pendant des années, tu le gardes là. Et tu le rêves. Et ça fait 20 ans aujourd'hui, 92 on va dire, plus de 20 ans, où je l'entends encore. Voilà. Malheureusement, la France, l'Afrique, les États-Unis, ils ont beaucoup, ils portent beaucoup dans toute cette bêtise-là, sur la partie, le manque réel de l'humain. Parce que nous, on est simples soldats, on n'est pas des humains. On a un numéro, point. Je ne peux pas te dire mieux. Hein. Malheureusement, on n'est qu'un numéro. So this guy here was Brad Pitt's personal like bodyguard, and he was in the Mog in Mogadishu, and he saw the Black Hawk in Black Hawk Down. Maintenant je me souviens du film parce que en anglais il y a un autre nom. Black Hawks. Yeah, Black Hawk Down, and he was there, and he heard that there was about 3,000 like Muslims, you know, skinnies. Like going after the pilots of the Black Hawk, and they were screaming like "Help me! Help me! Help me!" And he still hears us today. He said he was with the French paratroopers, and he asked his commander. He was a sergeant. He said, "Well, let's go and help him." And the commander said, "No, we're not going to do it." And he was also in Rwanda when there was a genocide. Ils se sont foutus de notre gueule, on s'est fait casser la gueule pour rien. Malheureusement. Alors tu te réveilles deux fois pendant la nuit, t'entends « help me, help me oh, ». Ça fait longtemps que ça m'est pu arriver, mais c'est arrivé. Ouais. Ouais. C'est malheureusement, c'est... C'est le PTSD. On partageait l'aéroport de Mogadiscio avec l'armée américaine. Mais N'Djamena Non, Mog. Mogadiscio, l'aéroport de Mog, pas N'Djamena. N'Djamena, c'est le Tchad. Oui, Mogadiscio, c'est pas N'Djamena. Ah non, désolé. On partageait l'aéroport de Mogadiscio. Mm. Moitié était français, l'autre, enfin, un quart français, trois quarts américains. Mm. Et ils se sont fait déboîter, quoi. Et tu sais, les seuls qui les ont aidés, quand on dit nous, on interviendra à une seule condition. Les Somaliens ont dit, nous, on interviendra à une seule condition, que ce soit des musulmans qui vous aident. Et c'est l'Iran qui les a aidés, qui étaient les frères ennemis des Américains. Les Américains se sont sauvés grâce à l'Iran. Autrement, ils ne seraient pas là. So you said the Mog was le stade de foot in four parts, three quarters American and one quarter French. And the Somalians said, we'll give you back the Americans, only there must be Muslims coming in, and the Iranians save them finally. Il n'y a pas d'histoire de religion, machin.